Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. C'est avec un pile plaisir nous rejoignons matin, après-midi, à soir, de bonnes diffusions, au rêve de bonnes lois. Suivez-nous pour voter pour vous. Dernier numéro Bonboule pour semaine. Je vous dis, c'est vendredi, c'est le début du week-end. Déjà, nous souhaitons un excellent week-end à tout Tizèboul, tout Jokanel, tout machin de boule, qui suivent nous un peu partout. À travers la planète là. Nous allons aborder un pile sujet aujourd'hui, mais nous avons fait un zoom, nous avons fait un gros plan sur les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, zone Amérique du Sud, qui était joué 12e journée. Hier soir, le Brésil à Manaus, dans l'Amazonie, écrasé équipe uruguayenne sur le score de 4 buts à 1. Neymar réalisé puis belle performance avec Célé-Savoie pendant l'année 2021. Monsieur fait premier goal en contre l'an, il baille 2 passes décisives. Qui t'aime profiter saluer Daniel Alexis qui a suivi nous du côté de New Jersey. Daniel, nous big up là. Well, donc, Neymar, monsieur fait un match extraordinaire hier soir, mesdames et messieurs. Donc, monsieur était sorti de l'ordinaire et réalisé le coup parfait, si je peux le dire ainsi. Eh bien, et outre 2 passes décisives, mais Neymar réalise aussi des carrières, fait-il que grille, il fait-il Hélène Chéville comme à son habitude. L'autre sujet qui est très important, nous pourrons gagner pour nous parler et jeudi, hein, mesdames et messieurs, il concernait Edson Arantes do Nascimento Pelé. Dans une vidéo que Pelé publié sur Instagram hier jeudi, bien Pelé déclaré, je vais bien, je vais mieux. Il profitait une autre fois encore, remercier tout le monde avec le sourire aux lèvres, avec un ton très comique. Monsieur dit, moi prêt pour me jouer dimanche prochain, si Dieu veut, avec nous. Et puis, nous allons gagner pour nous faire un vrai tas en Europe. Pour nous parler du championnat d'Angleterre, on a parlé également du calcio. Nous parler du côté de l'Espagne et parler de la Liga. Ensuite, on a fait dévoiler nous sur la Bundesliga, sans oublier la Ligue 1 avec Paris Saint-Germain, Angers qui a joué après-midi à 3 h, mais Paris pour le privé de internationaux sud-américains. On a parlé bien sûr de Neymar, Léo Messi, Di Maria, sans oublier Marquinhos, Captain, donc Monsieur Sahel, pas présent et après-midi pour la sélection, alors pour la formation du Paris Saint-Germain. On va gagner pour nous faire parler de Mac Maignan, le portier de la formation du Milan AC. Bien, monsieur qui subit une intervention chirurgicale, mais après dit que ce passé là, un poignet droit, et monsieur Pral absent pour 10 semaines, son coup dur, nous capable de dire pour le Milan AC, qui va privé de belle goal qui fait ça, n'a parlé bien sûr de Mac Maignan. Nous allons gagner pour nous faire parler de basketball NBA, puisque Los Angeles Lakers a enregistré première victoire pour pré-saison. Après 5 défaites consécutives, Lakers, enfin, ouais, le bout du tunnel. Et hier soir, ils ont fait une victoire sur les Kings de Sacramento. C'est tout point ça, avec plusieurs autres. On va aller nous débattre pour vous. Mais quittez-nous rappeler en passant, le show ça, montrer la caille, grâce à MyCoverage Insurance. My coverage, Chita, dans 1372, Northeast, 163 Street, North Miami Beach, Florida, téléphone
786 542 00 57. 786 542 00 57. Et pour penser assurance, quel que soit le type d'assurance ou besoin, relève-nous. 786 542 00 57. Vous pouvez appeler Delva Calcio Bonboul directement, oui. Pour nous faire une assurance, nous avons un téléphone déjà. C'est 305 206 0022. Quittez-moi un gros bigot pour toutes ces aboules Delva Calcio Bonboul qui suivent nous. Sur le groupe WhatsApp Delva Calcio Bonboul, les amis qui sont sur la page Delva Blanc, les amis qui suivent nous sur Channel YouTube La Cour Haïti Média. Et tous les amis qui sont sur la page Facebook La Cour Haïti Média, nous voyons un gros big up pour nous. Un big up également au groupe WhatsApp Grand Journaliste. Un big up pour Sport for All. Coach Roland Jérôme, comment nous y est? Tiens, pourquoi la privé sous nous? Un grand monde, stand up avec big up. Et puis, tous les amis qui suivent nous sur le groupe Vrais Amis, Bonny Colin, nous voulons big up pour vous. Nous saluons tous les amis, groupe Réflexion, CPSU, qui branchait notamment Herbie Richemont, Raymond Jean-Louis, pour nous citer, non sérieux, seul. N'a profité également, vous voyez, un gros tonton salutation pour Bendy Saint-Martin, amis, nos frères, nous, qui vivent du côté d'Indiana. Salut, ingénieur Ewald Devey. Bon big up, Kensley Julien, big up. On big up également pour Nono, frère Descartes, monsieur Indiana, base Indiana. Vous voyez, big up là pour nous, respect pour nous. Et puis, n'a profité, vous voyez, un gros big up pour Monsieur Sport Plus. Nous saluons également Jérôme Méchac qui connecte nous, sans oublier Ricardo Lefebvre, Teaser Boule, Marchand Boule, Bredle Boule, qui toujours branché. Plateforme La Cour Haïti Média, Delva Calcio Bonboul. Sans oublier AC Radio 103.5 FM Stéréo. Permettez-moi de saluer et Mano Colin. Mon big up également pour DJ Claudie. M'a salué Base Colasoul Sport. Nous avons big up également pour Base Madame Gougous et le nom de Coach Kenol. Nous avons un gros big up pour tous les amis qui ont suivi nous sur le forum des mains propres. Et si messieurs, dames, football ma passion, vous voyez big up là pour nous. Nous voyons un gros big up également pour le groupe et mouvement des leaders pour MP Sport, nous voyons big up là. Giga Jeune, nous voyons big up là. Et puis toute fanatique qui a suivi nous, nous voyons big up là. Les amis qui aiment le nouveliste, nous voyons un gros big up également. Nous voyons big up là pour les amis stéréo neuf. Bon, big up là, big up également pour tous les amis qui suivent nous sur Forum Le National, sur Facebook. Et puis, les amis Radio Télévision Caraïbes, les amis Haïti Créole, bon, big up là. Nous voyons gros big up également pour tous les amis qui suivent nous sur Group Booster. Les amis chers amis, bon, big up là. Les amis qui sont sur Forum RTZ. Nous avons big up là, nous avons big up également pour tous les amis qui sont groupe les fans de RSF. Nous avons big up là également, sans ne pas oublier, vous voyez, un gros tonton big up pour tous les amis qui sont forum. Bat bravo pour la jeunesse. Monsieur Exafoutio, nous avons big up là également. La plaine en action, nous voyons big up là pour vous. Nous voyons un gros big up également pour Violette Fondation Meyan. Eddie Chao, depuis Canada, Boris Péa. Les Haïtiens au Chili, Yéhu González Blanco, ingénieur et d'argent. Nous voyons big up là. Nous saluons également les amis qui nous suivent sur le forum Bouillon Boula. Zamik sou forum Haïti chéri yo. Nou big up la également. Nous voulons big up pour toutes les amis qui ont été United yo. Et puis,
en gros tonton big up pour communauté positive. Donc, toutes amies, toutes ces amies, toutes les candidats qui branchent nous là, nous connaissons nos droits là déjà, depuis nous connecter. Eh bien, c'est quitte un message pour nous. Abonnez à la page pour la Kouaïti Média, channel YouTube la Kouaïti Média, telle vacances pour boule, chaque lundi nous live, premier monde qui recevra la vidéo sur tablette ou sur téléphone ou à computer. Permettez-moi de saluer Antonio Ziril, qui est bien branché là, monsieur dit, je dis à la frère. Antonio Ziril, respect pour vous, tonton. Et nous voyons, nous bâillons respect à toute l'autre tisez-vous, toute l'autre Jokanel, quel que soit à côté de nous, fait un tando, fait un tando, fait un tando. Nous avons entré rapidement dans le développement d'informations. Nous avons commencé justement avec Neymar. D'abord, les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, juste avant nous arriver à Neymar. Nous avons vu plusieurs matchs qui étaient déroulés hier soir. C'était justement la 12e journée. C'était la 12e journée. Mesdames et messieurs, eh bien, la Bolivie font un réveil brutal sous tête maintenant. Hier soir, Bolivie crasée, équipe paraguayenne sur le score de 4 buts à 0. Je suis capable de remarquer là, c'est Ramalho qui était ouvert score à la 21e minute de jeu pour la Bolivie. Et puis Villarreal, 53e minute. Abrego, 84e minute. Et puis Fernandez, 94e minute de jeu. Il marquait le 4e but de la formation bolivienne qui était révélée sans pitié pour Paraguay sous tête maintenant à 3600 mètres d'altitude. Faut lever bonheur et ceci de très tôt pour arriver renverser Bolivie sous tête maintenant. Donc hier soir, Paraguay fait les frais Paraguay payé pris en cash. Et puis Chili à Santiago t'as pour recevoir Venezuela. Chili calé Venezuela 3 goals à 0, doublé de Pulga 18e et 37e minute de jeu et puis Brereton 73e minute démarqué le troisième but de la formation chilienne. L'autre match qui était gagné, toujours, mesdames et messieurs, dans l'éliminatoire Coupe du Monde, zone Amérique du Sud, Argentine, a joué contre l'équipe péruvienne. Eh bien, Argentine calait difficilement Pérou sur le score d'un but à 0. Et une goal en contre là est inscrit à la 41e minute de jeu par l'intermédiaire de Lautaro Martinez. Donc, et Pérou était à deux doigts pour arracher match là hier soir à Buenos Aires, puisque Pérou était jeune en pénal à la 62e minute de jeu. Malheureusement, Yotun raté pénal là et l'Argentine sauvait les 3 points de la victoire de justesse. C'est vrai que Léo Messi pas de bypass décisive là. C'est vrai que Léo Messi pas fait goal hier soir, mais Lionel Messi a fait un très bon match face à la formation péruvienne, les réaliser en pile accélération, les distiller en pile ballon, en mi-temps terrain, et ensuite Messi était à deux doigts pour le bail victoire à la sélection d'Argentine, puisque dans les derniers instants du match, eh bien, Léo Messi était metté en coup franc, mais à mi-hauteur, malheureusement, ballon pas rentré dans le goal là. Donc, Argentine remportait 7 points sur 9 possibles pendant la trêve internationale là. Et Léo Messi était pour beaucoup dans une belle performance là. Donc, capable de dire que l'Argentine avait réalisé et positionné derrière Brésil comme un sérieux candidat pour Qatar 2022. Et puis, l'autre match qui était gagné, mesdames et messieurs, dans l'éliminatoire Coupe du Monde, c'est le Brésil qui a affronté la formation de l'Uruguay. C'était le choc au sommet, la bataille des titans de la 12e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, zone Amérique du Sud, entre le Brésil et la formation uruguayenne.
deux des plus anciens champions du monde. Et deux pays sud-américains qui premier remporté la Coupe du Monde, l'Uruguay a remporté la première édition en 1930, et puis Brésil, alors Uruguay a remporté la Coupe du Monde 1930-1950, d'abord, Uruguay c'est le premier pays de l'Amérique du Sud, premier pays dans le monde qui a remporté la Coupe du Monde, ça personne n'a qu'à retirer le même, et il a mené 2-0 sous Brésil à l'Argentine, ce n'est qu'en 1958, on se les rappelle que le Brésil avec l'arrivée d'Edson Arantes de Nascimento, Pelé, que nous allons parler de lui tout à l'heure, ça va permettre le Brésil de remporter pour la première fois la Coupe du Monde. Et nous songeons le drame de Maracanã en 1950, côté Uruguay, de battre Brésil dans fief lui-même à Maracanã, en finale Coupe du Monde, 2-1, et Uruguay de remporter deuxième Coupe du Monde. Et le Brésil, jusque-là, d'après les Yogan Yogan. Hier soir, alors tout ça me dit là, c'est pour la petite histoire, hein. Hier soir, Brésil et Uruguay étaient croisés dans la chaleur de l'Amazonie au stade Manaus, un stade neuf, nous capable de dire que l'autorité brésilienne était construite pour la Coupe du Monde 2014. Eh bien, c'est à Manaus, hier soir, Brésil de recevoir Uruguay, eh bien, équipe Brésil a crasé l'Uruguay de Luis Suarez. Pac en pac, 4-1. Premier goal en Coupe du Monde inscrit par l'intermédiaire de Neymar à la 10e minute de jeu. Je vais vous donner une explication tout à l'heure. Super goal de Neymar. Contrôle de la poitrine. Fin pour éliminer Mosquera, le portier uruguayen. Et d'une frappe croisée, ballon a terminé Cousina Filea après que M. Brésilio ait en quelque sorte monopolisé ballon pendant un bon bout de temps. Il fait 13 passes. Et Fred a servi Neymar pour être 13e, non, bien entendu. Et puis le contrôle de la poitrine, la fin, le dribble de Neymar, pour le voyer goal qui vient à la poste et marquer un superbe goal hier soir. Donc Neymar est plané au-dessus du lot. Neymar, 10e minute de jeu, ouvre score là pour le Brésil. Rafinha va le faire doubler. Donc on passe de Neymar, 18e et 58e minute. Et puis Barbosa, Gabigol, c'est 80. Troisième minute de jeu marqué, quatrième but du Brésil. Mais il faut préciser que le match a été 3-1, puisque à la 77e minute de jeu, alors que Luis Suarez était prenant un engrenage défense brésilienne, il était muselé, monsieur, pas de cas bouger, mais à la 77e minute de jeu, Luis Suarez était jeune, un petit trou de souris, il rentre tête et l'Itabral rivé marqué. Et l'unique but de l'Uruguay, donc Luis Suarez qui sauve l'honneur pour la Céleste. Parlons maintenant de Neymar, auteur de matchs extraordinaires, pour ne pas dire un match parfait, mais pour la presse brésilienne, Neymar qui était très critiqué et dimanche dernier, après un piteux match nul entre le Brésil et la Colombie, était fini 0-0, eh bien, presse brésilienne a critiqué Neymar sérieusement, au point que mon commentateur, qui était même traité monsieur d'idiot, d'imbécile, pendant qu'il a commenté le match là en direct. Pareil, ça a fait le tour du Brésil, le tour de la planète, et Neymar, très calme, très humble, a quitté le terrain, eh bien, il était rencontré avec un jeune fanatique, lui, côté, il était bail, il était fait selfie, les bail. Jeune fanatique, ça, et un maillot, donc un jeune Colombien qui fout de Neymar. Donc, hier soir, c'était comme un match de revanche, nous capables de dire pour Neymar, qui planait au-dessus du lot. Eh bien, les commentateurs basketball ici aux États-Unis, ont dit Neymar était tout simplement on fire. Donc, Neymar était prend du feu hier soir, dans la chaleur de Manaus, dans l'Amazonie, bien entendu. Neymar fait un réveil brutal. Et Monsieur Marquet, comme je vous le disais tout à l'heure, le premier but du Brésil à la 10e minute de jeu, il délivrait deux passes décisives pour une éclatante victoire du Brésil face à l'Uruguay. 4-1 dans la chaleur étouffante de l'Amazonie. Neymar a marqué du même coup, mesdames et messieurs, son 70e but en 115 apparitions sous les couleurs de la sélection brésilienne.
Et Neymar a pas avancé, petit pas, vers le record détenu par Edson Arantes do Nascimento. Je vais parler de Pelé. Pelé, c'est le recordman du but en sélection brésilienne avec 77. Et voilà Neymar qui a avancé à grands pas vers le record de Pelé avant. Alors, pour que nous disions, Pelé, pas seulement gagné au Brésil, mais c'était pour toutes les sélections de l'Amérique du Sud. Pelé, c'était le recordman blanc. C'est-à-dire qu'il a marqué plus de goals pour une sélection sud-américaine. Mais tout récemment là, Messi a détrôné Pelé. Je crois que Messi a 79 goals pour le moment. Donc, Messi a détrôné Pelé. Désormais, c'est Messi qui a le record et joueur qui a marqué plus de goals à une sélection sud-américaine. Mais par contre, Neymar a avancé vers le record de Pelé, puisque Pelé, pendant toute carrière, a fait 77 goals à Brésil. Et hier soir, Neymar a marqué 70e goal, son façon pour nous dire, avant la fin des éliminatoires de la Coupe du Monde. Si Neymar, qui a une belle régularité, ça, il est capable d'égaler le record de Pelé. Et des matchs de préparation pour le faire bien avant la Coupe du Monde, si Léo Messi lui-même t'a campé, t'a accompagné à l'Argentine, et bien Neymar capable à ce moment-là mettre cap, jeter le cap sur Messi pour le entraîner avec Messi, deux compères, deux bons amis. Qui est-ce qui a pris place numéro un comme monde qui marque plus de goals avec sélection nationale? De toute la manière, nous sommes pas encore là. Neymar prend un match par match, pas à pas. Kounia, Michel a avancé via Pelé, il était 7 goals qui séparaient l'actuel. Et après quoi, pour attaquer le record de Léo Messi. Après une séquence de passes, et c'est ça que nous avons dit, nous, premier goal Brésil, là, c'était comme un charme, un super goal, une action bien construite. Monsieur orchestré ballon, hein. Pendant un bon temps, Uruguayen, ouais, ballon qui a passé à gauche, à droite. C'est ça le vrai football du Brésil. Et c'est ce football que nous aimons. C'est ce football que nous apprécions. Le tiki-taka du Barça. Le football chatoyant qu'Arigosaki a joué avec le Milan AC. Et c'est le football du feu Winis Michel avec Ajax Amsterdam et la sélection néerlandaise. Donc c'est vraiment du toca, du jogo bonito, comme on l'appelle au Brésil. Donc hier soir, Neymar, comme chef de file, t'es émerveillé les fans du Brésil. Les photos, ça n'a pas gardé là. Neymar, après que Monsieur Fin, il fin fait 12 passes, et puis Fred, en quelque sorte, font ouverture pour Neymar, contrôle de la poitrine, fait pour dribbler Mosquera, le portier uruguayen, frappe croisée au deuxième poteau. Ça fait un but à zéro, 10e minute de jeu. Et Neymar est vivé, fasciné par le public là, qui était un grand nom. Donc, t'as capable de dire, dans l'Amazonie, et Neymar dit, fais-moi tendre, fais-moi tendre, fais-moi tendre, fais-moi tendre, fais-moi tendre, fais-moi tendre. Donc, c'est ça le geste de Neymar pour te communiquer à public là, qui était justement ovationnel. Donc, Neymar, mesdames et messieurs, un match extraordinaire, il marquait un goal sublime, et c'était un Neymar radieux qui fait un match extraordinaire, bon boule, tout simplement. Brésil était capable de gagner l'Uruguay hier soir au moins pour 7 goals à 1 si Gabriel Jesus était en bonne forme hier soir. Information rapportée que Gabriel Jesus a raté 3 goals dans le match là sur 3 caviars de Neymar. 34e, 45e et 51e minute de jeu. Donc c'était le match de Neymar. C'est son meilleur match avec la Seleção en 2021. Malheureusement, Gabriel Jesus est très mal inspiré. Monsieur Patrivé converti une belle passe que Neymar t'a balé. Et puis, il a parlé nous, de Luis Suarez, muselé par la défense du Brésil. J'étais quand même sauvé l'honneur à la 77e minute de jeu. Donc, match presque parfait, pour ne pas dire parfait, pour Neymar qui planait au-dessus du lot. Qui fait un match extraordinaire et réconcilié du même coup avec la presse brésilienne qui remplit de belles bagages sur les matières, réconcilié du même coup avec les fans du Brésil qui
pas apprécié du tout ma piètre match que Neymar a fait face à la Colombie. Et après match, Neymar a déclaré, j'ai pas gagné à débouler là, gagné, ma crase a quitté ça avec, après la Coupe du Monde 2022. Donc, il a attaqué Neymar en plus ces derniers temps, mais en plus l'observateur pensait que monsieur a perdu moral, il n'a pas gagné et trop ambition, trop envie pour continuer à jouer pour sélection Brésil là, alors que Neymar, âgé de 29 ans, donc en 2022, monsieur a gagné 30 ans, donc Neymar est capable de jouer la Coupe du Monde 2026 à 34 ans. Mais c'est capable peut-être pour amortir, pour capable diminuer le flot critique qui devient sur les yeux, du Neymar vient trop gros, Neymar prend plaisir trop, l'aller notre trop balle, l'aller trop disco, il joue trop poker, trop casino, il va pendant, il est en vacances, il va marcher du tout, tantôt c'est dans l'hélicoptère, tantôt c'est dans le jet privé, la flâner. Il était critiqué en pile, en pile. Et hier soir, Neymar répond souterrain à toute critique yo, de réaliser un superbe match et permettre le Brésil malmené, pulvérisé, écrabouillé la formation uruguayenne sur le score sans appel de 4 buts à 1 par Guendouzi. Neymar, c'était l'homme du match. Le premier but, superbe but, et puis deux passes décisives. Donc, nous dit tout, la galère va marcher bien du tout pour Uruguay. Après qu'il était fini par 3-0 dans l'Argentine lors de la 11e journée dans le derby de la Rivière Plate, et bien, hier soir, il prend 4 à 1 à Manaus. Et puis, pour ce qui a trait à l'Argentine, nous avons dit ça tout à l'heure, l'Argentine gagnait Pérou de justesse par un goal à zéro. Léo Messi n'a pas marqué, mais il a fait un très bon match hier soir pour l'Albi Célesté. C'est Lautaro Martinez qui fait goal là à la 41e minute de jeu. Et puis, le Pérou, c'est joué non pénal à la 62e minute de jeu. Malheureusement, Youtoun raté occasion pour le te permettre. Et Pérou quitter l'Argentine avec le point du match. Donc, Neymar, alors Messi, d'abord, Messi, Neymar de M. Sayo a rejoint Paris pendant le week-end-là avec la conviction du devoir accompli. Donc le Brésil est désormais, mesdames et messieurs, et contrôle et groupe qui est en quelque sorte à 40 devant avec 31 points. L'Argentine vient en deuxième position avec 26 points. Donc le Brésil gagne 5 points d'écart par rapport à l'Argentine. Voilà le Brésil dans le classement. Et puis Argentine qui a 25 points, Équateur 17 points en troisième position, Colombie 16 points quatrième, cinquième l'Uruguay avec 16 points, Chili qui a fait remonter là, pour sixième place à 13 points, gagné 3 points qui séparent Chili avec Uruguay et Colombie. Donc un pile match qui était toujours, Monsieur Chilio, Arturo Vidal, Alexis Sanchez, et pour citer deux noms seulement, capable toujours espérer une qualification pour la phase finale de la Coupe du Monde. Pas oublier en Amérique du Sud, c'est quatre premiers qui ont qualifié directement pour la phase finale de la Coupe du Monde là. Et puis, cinquième, non, pour aller jouer barrage. Et la Bolivie, fort de la victoire qu'elle fait sous Paraguay hier soir, et à la passe, à 3 600 mètres d'altitude sous tête maintenant, eh bien, Bolivie prend septième place là, à 12 points. Même Bolivie capable de qualifier ou bien disputer barrage. Il y a 12 points en 7e position, 8e Paraguay 12 points, Pérou relégué en 9e position à 11 points. Et puis, mesdames et messieurs, le Venezuela, eh bien, comme d'habitude, occupé dernière place classement avec 7 petits points après 12 rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 en Amérique du Sud. Et puis, classement buteur là, c'est l'attaquant bolivien Marcelo Moreno qui est en tête. Marcelo Moreno occupé tête classement avec 8 goals, suivi de Neymar 6 goals, ex aequo avec Léo Messi. Et puis, gagnant Michel Estrada de la Colombie. Michael Estrada qui gagne 5 goals et Lautaro Martinez du Brésil totalisé
également 5 gols dans classement buteur tournoi football éliminatoire zone Amérique du Sud. Voilà, mesdames et messieurs, en gros, eh bien, tout détail concernant la 12e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, zone Amérique du Sud, et le match Brésil-Uruguay était constitué comme un sommet hier soir, tourné en faveur du Brésil grâce à une performance 5 étoiles de Neymar Junior qui planait au-dessus de Manaus, au-dessus du Brésil, et mettait tout journaliste, tout fanatique d'accord après une performance, mais vraiment extraordinaire. N'a pas le choix ça, son courtoisie de Michael Virgin Instruments, 141-35, note I-163, suite note Miami Beach, Florida, téléphone 786-542-0057. C'est également au courtoisie de PPDI Cleaning, 141-35, Nord-Ouest, 7e Avenue, note Miami, téléphone 186-315-82-54. Vous venez dans PPDI Cleaning, songez vous demander Madame Pépé pour que Mas Naïka. Son courtoisie également de Stanley Barber, 55 sur Presse Dixie Highway. Téléphone 786-395-2149. De vous va visiter Miami ou besoin Free Shop. Relais Stanley dans 786-395-2149. C'est également courtoisie de Intim Financial Services. Qui chita dans 734 Note IS, 167 Street, Note Miami Beach. Téléphone 786-63-68-35. De vous recevoir un papier timbré de la part des ARS. T'es toujours couvert là, par contre, ça pouvait. Le mettre Guy, 786-63-68-35 pour être capable de gérer le dossier. Ça pour vous. Et puis, nous avons un gros big up pour Japon Autopat 235 ou du magasin de l'État. Japon Autopat, c'est un plus ancien supporter tel vacation. Bon boule! N'a profité, vous un gros big up pour tout teaser pour nous qui connecte nous un peu partout à travers le monde sur tous les réseaux sociaux. Zami kap suiv nou sou Instagram yo, nou voye big up pou nou. Zami sou Twitter yo, nou voye big up pou nou. Zami kap suiv nou sou YouTube, sou channel YouTube La Croix IT Media. Big up pou nou, pa bliye pou nou abonne ak channel La Croix. C'est très important. Et puis tout teaser pou tout Jogandel qui sou live Facebook la, sou page La Croix IT Media. Abonne ak page la, like vidéo, quitte un commentaire pou nou. Chaque lè nou live, au premier monde qui recevra vidéo sou téléphone ou tablette ou à computer. N'a continué avec l'information. Pour nous parler maintenant de Edson Arantes do Nascimento Pelé. Pelé, 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 bon boule. Edson Arantes do Nascimento Pelé, qui âgé jeudi à de 80 ans, eh bien, hier jeudi, Pelé était obligé de faire une vidéo et poster sur Instagram. Voilà, vidéo. Je vais appeler lui pour nous, malheureusement, je vais appeler lui pour nous. Si Dieu va être là, je vais appeler lui. Il va dire quelque chose de là, il va dire beaucoup de ah non, il va la dire, il va faire ça. Il va faire ça. À la vérité, il fixe tout bagaille. Et puis après, il dit tonton, dégage ou est-ce ou à fond gol pour qu'on tombe pas sous faire gol. Vamos donner, voilà, c'est une excellente footballeuse, belle milieu de terrain, il a bien pied droit, pas cher de bon. Mais c'est pas facile. Là, il va marcher, il va appeler un petit Wilson Chevalier. Donc, son bel joueur, son bel milieu de terrain, il va y avoir une belle passe. Et donc, il fait de très souvent, il va une série de belles petites passes. Et il dit, mon cher, Del Vacancio, fais gol. En tout cas, merci Neva, profitez de gros big up tout. Pour Madame Ossiel, big up. Salut Boni, qui branche nous là. Marie-José, big up. Toute équipe là, quoi, et. La Poète TV, Yamba, nous big up. La Serge, Pitman, big up pour nous, monsieur, 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 dame. La Poète TV, Edia, au cap suivant. Et Haïti, on veut big up là pour nous. Et puis toute équipe, Michael Vigilant, nous voulons un gros tonton big up pour nous. Oui, on a parlé de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, qui poste ton vidéo hier soir sur Instagram. Et dans la vidéo, Pelé écrit Légende Sayo. Ben, m'a cité pour nous rapidement. Alors, rappelez-nous que Pelé a gagné seulement 2 semaines depuis qu'il a subi une intervention chirurgicale ou une tumeur au niveau du côlon. Eh bien, et 2 semaines après que Pelé a quitté l'hôpital là, eh bien, monsieur a fait le point sur l'état de santé,
nos vidéos postées sur Instagram. Je me rappelle que nous avons 7 millions de fanatiques sur Instagram. Et dans la vidéo, ça, mais ça veut dire, eh bien, veut dire, merci Dieu, je vais bien, je vais mieux. Je suis prêt de jouer dimanche. Donc, Pelé va être fanatique, Léo. Rendez-vous dimanche. Merci, Noton. Très plaisant. Pelé de pas paraître avec le sourire aux lèvres. C'est vrai qu'on a remarqué dans le visage des traits de fatigue. Vous comprenez ça, 80 ans. Ce n'est pas 80 jours. D'autant plus, le 23 octobre, quand il est là, fait plus de 81 ans. Donc, c'est bon, jointe. Pelé a pris l'âge. Sérieusement, c'est vrai qu'elle paraît un petit peu fatiguée, mais avec toujours, mais vraiment toujours le sourire aux lèvres, puis elle dit merci Dieu, je vais bien, je vais mieux, et je suis prêt de jouer dimanche. Donc c'est juste pour te plaisanter avec Fanatique sur Instagram, puis elle continue pour le dire. Merci à tous qui m'ont donné la force. Si Dieu le veut, je serai avec vous très bientôt. Donc c'est les déclarations de Pelé, la regardé là, c'est ça l'écrit là, mais c'est en portugais l'écrit, et moi-même, je traduis pour nous en français. Donc Pelé dit, merci bon Dieu, moi, allez très bien, et ça va mieux, au jour le jour, je suis prêt pour être capable de jouer avec nous dimanche, si Dieu veut, dans ton très plaisant, ou à faire vidéo sur Instagram, et de remercier tout le monde, les dit, qui va aller force pour continuer à vivre. Il dit, si bon Dieu voulait, eh bien, là, avec toute fanatique, Léo, très bientôt. Donc, Edson Arantes de Nascimento, Pelé, seul footballeur dans toute l'histoire de ça, qui a remporté 3 Coupes du Monde dans la carrière, 58, 62, 70. Même si les Coupes du Monde 62, Pelé était joué premier parti seulement, était sur une grave blessure, eh bien, il n'est pas joué deuxième parti, mais quand même, Pelé était. Et en quelque sorte contribuer pour le Brésil des champions du monde en 1962 au Chili. Et puis 70, et en pile, mon zone finale, ça, mon bot qu'on fait, mais grâce à l'image archivio, mon gardé à plusieurs reprises et finale 70 là, mon résumé, puis les font superbe goal dans le match, ça c'était face à l'Italie, le débat d'Italie 4 à 1, ils font superbe goal, et puis 4e goal là, ils te baillent un superbe passe à Carlos Alberto de regretter mémoire. Eh bien, on passe lumineuse dans le manche manette là. Et puis Carlos Alberto a pris un bel coup de patte pour te battre le goalkeeper italien et marquer le 4e but de la Seleção qui défend une grosse victoire sur l'Italie 4-1. Alors, quand on a parlé de Carlos Alberto, il faut me dire, on peut rencontrer Pelé. Par contre, on a une possibilité de rencontrer Carlos Alberto et on a gagné une belle photo à Carlos Alberto. Qui côté nous de rencontrer, nous songer Carlos Alberto, de venir en Haïti, dans la période, nous songer Mazouka d'avoir des violettes là. Mazouka a fait Carlos Alberto venir en Haïti, et c'est monsieur qui a entraîné violettes. Monsieur a fait un an, je crois, pour entraîner violettes. Là, sa violette est champion national, et il a joué contre CACAF. Il a joué contre Caraïbes, des clubs. Eh bien, là, ça a joué Jamaïque. Il a eu possibilité de faire partie de délégation, hein, avec Zamim, Tifrem, de regretter mémoire, Rigo Delis, Edwin Desulmé, et qui l'autre n'est encore qui était là, Jamaïque ensemble avec nous, Jaco était là, tout, Anzulfo, Alia Jaco, Eddie Bernadotte était là, dans l'époque là, pour, c'était pour Guinée, oui, c'était pour Guinée, c'est une belle équipe, une belle expérience, nous sommes capables de dire, nous t'es fait, équipe violette qui t'a gagné Louis Germain, qui t'a gagné Lutherson Delis, frère Rigo Delis, Lutherson, pour nous profiter de saluer, dans un moment, donc c'est une belle équipe, je suis capable de dire. Et le Violette est une belle équipe, mais une belle équipe journaliste qui a fait des déplacements pour couvrir la compétition ça, Jamaïque. Bayern Blaise, ça, nous avons joué contre Annette Gardens, mon stade Annette Gardens, là, et nous avons joué. Mais malheureusement, Violette est éliminée. Et là, nous avons une possibilité pendant environ 2 semaines, eh bien, côtoyer de très près Carlos Alberto, ancien capitaine de la sélection brésilienne, qui était marqué dans la finale Coupe du Monde 70, là, son passe de Edson Arantes do Nascimento Pelé. Bah, j'ai oublié ça, et mon belle photo à Carlos Alberto, n'importe qui l'a, capable de partager photo ça avec tout ses éboules, tout le canal moyen. Donc voilà, mesdames et messieurs,
Et la vidéo de Pelé sur Instagram, une façon pour assurer tout fanatique yo, que ça va pas mal pour moi. M'a dégagé, m'a nous garanti, bientôt, m'a venir jouer football ensemble avec nous. Et puis, qui t'aime faire Vuelta rapidement en Europe, pour nous voir cinq majeurs européens, yo, puisque le va avancer sous nous très sérieusement. Eh bien, Paris Saint-Germain a joué après-midi à compter de 3 heures. Match avancé pour la 10e journée de la Ligue 1. Malheureusement, ni Messi, ni Neymar, Di Maria et Marquinhos, pour me citer ça seulement, pas présent jeudi pour l'équipe Paris Saint-Germain, puisque ça a été joué hier soir avec sélection. Et puis, match phare, 10e journée, après mettre reprise Olympique Lyonnais à la formation monégasque, l'équipe de la Principauté. Donc, match a fait demain samedi, 16 octobre, mesdames et messieurs. Et puis Bordeaux a joué contre Nantes, Strasbourg a joué contre Saint-Étienne, et puis Lille, champion en titre, a joué contre Clermont Foot. Donc, c'est comme ça, situation présentée du côté de la France. Nous, maintenant, dans Bundesliga. Ça va être la 9e journée. Demain, si Dieu veut, Eintracht Francfort a joué contre Hertha Berlin. Borussia Dortmund de Haaland a joué contre Mainz. Gagné Fribourg a joué contre Leipzig. Mönchengladbach a pour rendez-vous également. Et puis, Leverkusen a pour recevoir la formation du Bayern Munich pour un match choc de la 8e journée du championnat d'Allemagne de football, la première division. Nous, maintenant, en Angleterre, pour nous parler de la première ligue, 8e journée, et bien, il y a Aston Villa qui a joué contre Wolverhampton, Norwich contre Brighton. Brighton, c'est l'équipe surprenante en ce début de saison. Et puis, Manchester City de Pep Guardiola a joué contre Burnley. Et match à fête demain samedi. Hein. Leicester City contre Manchester United de Cristiano Ronaldo. Southampton a joué contre Leeds. Brentford a joué contre Chelsea. Et puis, gagnant équipe Watford là, qui a recevoir Liverpool. Tandis que Newcastle, le nouveau riche de l'Angleterre a joué contre l'équipe du Tottenham. Donc, c'est programmation de la 8e journée de la Ligue 1. Et puis, en Espagne, c'est la 9e journée. Levante Getafe, Real Sociedad Mallorca, gagné FC Séville en déplacement à la Caisse d'Avigo, Villarreal a recevoir Osasuna Pamplona, et puis match choc. Il y en a un choc journée, hein? Barcelone contre Valence, c'est pour dimanche prochain, si Dieu veut. Et puis, Granada, Atlético Madrid, Real Bilbao, match à reporté au 29 octobre prochain, si Dieu veut. Nous parlons qu'il y a en Italie, nous parlons bien sûr du Calcio. Ça va être la 8e journée de la Serie A avec plusieurs belles affiches. Parmi lesquels la Lazio de Rome au stade Olimpico qui va recevoir l'Inter de Milan samedi. Et puis Milan AC dans Giuseppe Meazza, communément appelé San Siro, a joué contre Hellas Vérone. Malheureusement, Milan va le priver de belles goalkeepers. On a parlé de Marc Maignan qui connaît un très bon début de saison avec Milan AC. On va parler de lui tout à l'heure, donc Marc Maignan blessé. Et puis Sampdoria va aller en Sardaigne pour jouer contre Cagliari. Udinese à recevoir Bologne, Genoa contre Sassuolo, Napoli va jouer contre Torino. Napoli, c'est le leader de la compétition. Napoli a joué dimanche. Milan AC et avec Hellas Vérone, Lazio Inter a joué samedi. Et puis tout reste match a fait dimanche. Et Inter de Milan, Roma, c'est deuxième choc. Non, alors on dit Juventus Roma, disons mieux. Donc Lazio a recevoir Inter de Milan samedi, et puis dimanche après-midi, Juventus a joué contre la Roma. Superbe choc, donc deux belles chocs pour marquer, bien sûr, la 8e journée du championnat d'Italie de football
communément appelé calcio. Je suis retourné dans Milan avec Elazığ pour me parler justement de Mac Maignan, bel goalkeeper international et français, Mac Maignan qui étonnait le monde pour un début tonitruant que monsieur réalisé à Milan AC. Malheureusement, Mac Maignan blessé dans le dernier match. Milan a fait, et mercredi passé, monsieur subit une intervention chirurgicale au niveau du poignet droit. Information qui sortit matin dans la presse italienne fait connaître que Mac Maignan est indisponible pour 10 semaines. Ça fait 2 mois et demi côté Milan AC pour jouer sans la présence de Mac Maignan en bagarre. Donc, c'est une situation vraiment difficile et compliquée pour le Milan qui est obligé matin d'utiliser compte Twitter lien pour être capable de relayer vraiment son message officiel sur compte Twitter équipe Milan ACA qui annonçait que Mac Maignan est indisponible pour 10 semaines, donc 2 mois et demi. Et vous pouvez voir que Mac Maignan est capable de retourner. Donc, si monsieur rétablit beaucoup plus rapide, il est capable retourner à la mi du mois de décembre. Donc, son coup dur quand même pour l'équipe du Milan AC qui va le priver de Mac Maignan, bel footballeur ça. D'après le bon choix entre la caillou, c'est grâce à My Coverage Insurance. My Coverage Insurance, mesdames et messieurs, Chita nan 13 72, donc 63 Street, Miami Beach, Florida. Quand des téléphones en bas là, 786 542 0057. Vous pouvez taper également 786 348 77 62, quel que soit le type d'assurance ou besoin. Nous sommes là, assurance pour machine, assurance pour caille, assurance vie, assurance pour bateau, assurance santé ou besoin, assurance commerciale et résidentielle. Relay My Coverage. 786 542 0057. Et puis, pas oublier, mes amis, saison Obamacare là a démarré le 1er novembre prochain. Bon, vidéo, vous avez un gros pour Eddy, on va natif pour Tissé pour le rencontrer hier, qui dit, m'blan, pas oublier, non? Depuis 31 octobre, pour m'vin faire Obamacare. Eh bien, nous-mêmes, cap sur moi là, qui a vécu dans l'État Floride là particulièrement, relais, dans le bagage de mon boule, 305-206. 0022, réservez place ou à partir du 1er novembre pour une file application pour gagner assurance santé. Pablo Obama qui est là, c'est le gouvernement américain qui est conscient que un groupe de monde qui vit dans le pays n'a pas de gros moyens pour payer l'hôpital, pour payer les médicaments parce que l'hôpital est cher ici, les médicaments sont chers ici, mais qui décide de casser le prix. L'hôpital, le prix médicament, vous permettre que les petites bourses, capables de 4 assurances, pour consulter le docteur qui fait plaisir chaque mois. Relais-nous, 305-206-0022. Relais dans le vacances de Bombou. Relais Nieva, relais Joacimé. Relais Boni, pour réserver place au 1er novembre, boule. On a démarré avec Obama qui est là pour arriver 15 janvier. Et pendant que je fais Obama qui est là, songez. Pour prendre assurance pour machine, Kaila, business là, assurance santé, assurance vie, commerciale et résidentielle, assurance pour bateau. Ma bon gros big up pour BPD Aglini, mon gros big up pour Stanley Bagler, mon big up également pour Intim Financial Services, mon gros big up pour Jacques Bordeaux-Pat, mon gros big up pour Ingénieur Bordeaux-Augustin, Emmanuel, mon gros big up pour Poudès, mon gros big up pour tout Tizer, pour tout Jocanel Nouveau, qui est avec nous là, et Judson Jean-Pierre, et qui dit une font parler de l'Argentine. Juste son map, on parle de l'Argentine là. Argentine gagne un goal à zéro. C'est Lautaro Martinez qui marqué pour l'équipe Argentine. Ok, et dirigeant. Ben, Argentine gagne 1-0. Argentine gagne 1-0. Lautaro Martinez fait goal là à la 41e minute de jeu. Et puis, nous avons un gros big up pour Angelé Marcelin. Angelé Marcelin, comment nous y est? Angelé Marcelin, c'est son ancien joueur. Hein? Nouveau et puis Gobla Bonjle Maslin, et puis tout l'autre Tizen, tout l'autre Jocanel, qui connecte nous, quel que soit Kotoya, nous voyons Big Up la pour vous. Merci pour attention, merci pour fidélité, et merci pour commentaire. Moi, j'ai plusieurs commentaires qui tombent là.
et qui tombe là dans la live là, je vais finir, mais avant de regarder, je vais essayer de regarder quelques commentaires si c'est boulot là qui est pour moi là. Et je vais regarder là pour moi. Et malheureusement, je ne suis pas capable de commenter si c'est boulot là. Bon. C'est là, oui, et il y aura et important, oui, non. Oui. Oui, il y a John Yolande. Nous avons un big up pour vous. Qui est chez Choua, qui dit nous connecter. Prince Jean Junior dit nous là, Tijou la guerre dit nous. Libranché également. Mac JP, nous avons un big up là pour vous. Inspecteur Jean Daniel dit nous là. Et puis, gagné Monsieur Empire Sport, yo, et qui dit nous, yo partagez la live en pile pour nous, nous dit yo merci, et bon, qui l'autre tise pour l'encore, qui l'a gagné, et Sermo Juste, qui dit nous li la tour, nous wabi gop la Sermo Juste, Pierre Stanley, nous wabi gop la guerre Dieu, qui connecte nous la tour, qui dit nous le coucher, Pedro Julien Paul, nous big up là. Jimmy Louis, big up Zamim. Willy Etienne, big up. Et puis Baudelaire Somerville, Baudelaire qui branche pas, nous big up là. Et puis Fefe Wilson, nous bao big up là également. Donc nous avons un petit zéboul sur toute plateforme là qui branche nous là matin, hein, qui vous un gros big up pour nous. Nous avons Humbert qui vous un big up pour nous tous. Nous voyons Big Up là pour tous amis. Nous saluons, nous comptons pour vous. Nous sommes avec nous. Et puis, gagné Dieu fait Roselyne qui dans la live là tout. Nous voyons Big Up là pour vous. Dieu fait Roselyne. Et on paquet de l'autisé, on paquet de Jocanel. Et nèg fanatique du Brésil, Argentine. Et dès qu'ils ont envahi 16h25 du matin là, monsieur football ma passion, ils ont envahi tout matin. Quand tu vas être froid, comment nous y est? Et nous avons respect à coach. Quand tu vas être froid, respect pour vous. Respect pour tous les amis, tous les amis du Canel. Bon, mes amis, les arrivés sous moi, m'obligez à plier bagage, c'est ton plaisir. Nous sommes avec nous, déporter chose ça la caille nous, invitez nous, restez connectés avec Delva Calcio Bonboule. Je dis à ce week-end, je souhaite à toutes ces éboules, toutes vos cannelles, passez un excellent week-end en notre compagnie, ou même qui vient aller à l'église, continuez à manifester foi, priez pour le pays d'Haïti, demandez bon Dieu pour l'intervenir, pour retirer tout malfaiteur, tout déchet, tout machin de pays, pour susciter une nouvelle classe d'hommes et de femmes qui conscient des situations pays, qui intègrent, honnêtes, pour capables. Mettez pays sur le bon rail. Merci tout le monde. Allez à la paix, bon Dieu. Retrouvez-nous la semaine prochaine. Ciao, ciao! Bon week-end. Enjoy.